bienvenue sur les tutos d'Air France, la passion de cette année. Bonjour, je m'appelle Sébastien Philibert, donc on est sur le château de Calavon à Lambesque, donc on est sur un vignoble d'une centaine d'hectares en bio. Je suis issu d'une cinquième génération de vignerons passionnés par la vigne, par le vin et l'olive avant tout. Donc avant tout, nous, le fait qu'on soit en agriculture biologique demande beaucoup d'observations et d'implications sur le terrain. Donc du coup, on est aussi tenu à un cahier des charges, notamment sur la réduction du cuivre utilisé à l'année à l'hectare. Donc du coup, pour pouvoir se permettre de réduire ces quantités-là, je me suis orienté sur le traitement de l'eau pour pouvoir augmenter l'efficacité de la matière active tout en réduisant la quantité de produits utilisés à l'hectare. Donc le choix a été, je dirais, rapidement fait parce que j'ai mon cousin donc sur l'exploitation familiale dans la Drôme qui l'utilise depuis une vingtaine d'années. Et je ne vous cache pas qu'on est en vallée du Rhône, et la vallée du Rhône, on est sur le cépage très sensible au mildiou qui est le grenache. Et ce procédé a fait vraiment ses preuves pour les réductions de cuivre et pour une très très bonne efficacité. Donc le procédé nous permet de réduire avant tout la quantité de matière active utilisée à l'hectare, et cela nous permet d'intervenir plus souvent parce qu'il faut savoir que quand on est en agriculture biologique, on doit anticiper, et l'anticipation nous oblige à passer plus souvent et surtout après un lessivage à partir de 25 mm. Donc du coup, le fait d'avoir un traitement qui nous permet de réduire les doses de cuivre à chaque passage nous donne de la souplesse pour pouvoir intervenir plus souvent. Mais après trois saisons de traitement, notamment en 2018, qui a été une année où il y a eu énormément de pression, en fait, on a rentabilisé l'investissement après trois saisons de traitement. Mais pour une année à forte pression, l'exemple de l'année 2018, donc on a à peu près économisé 25%. Et sur l'année 2021, qui a été une année relativement sèche, on a économisé 50%. Alors, avant tout, donc sur le domaine, on a la chance d'avoir la majorité de nos vignes qui sont issues de sélection massale. Donc, c'est-à-dire qu'on sélectionne sur nos propres parcelles les bois pour la multiplication de nos plantations futures. Ma vision, moi, elle est la suivante. C'est avant tout une passion, c'est transmettre une passion, c'est transmettre le savoir, le travail bien fait, le respect de l'environnement, avant tout. Et je dirais la richesse que l'on a de travailler dans un domaine comme au château de Calavon. Et bien, avant tout, donc un grand merci à Hydroagly. Et puis, je tiens quand même à préciser qu'avant tout, avec Monsieur Solès, c'est une rencontre de passionnés. Moi, passionné par le vin, et lui, passionné par son procédé.